Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bonus sur la guerre d'Espagne. Aujourd'hui, nous allons présenter le PUM, le Parti ouvrier d'unification marxiste. Un parti de gauche qui n'a pas vraiment d'équivalent en France. C'est un parti marxiste, donc on pourrait dire parti communiste. Mais pas du tout, il était profondément anti-stalinien. Alors là, on pourrait se dire trotskiste, on a des mouvements trotskistes en France. Mais pas du tout, enfin. Pas, il n'était pas en soi trotskiste, il avait des proximités avec le trotskisme sur certains aspects, mais il n'était pas trotskiste, ses leaders avaient rompu avec Léon Trotsky qui les attaquait régulièrement. Et il y avait des organisations trotskistes en Espagne qui critiquaient le PUM. Donc c'était un mouvement assez à part dans l'échiquier politique espagnol et avec lequel il n'y a pas d'équivalent strict en France. Créé en 1935, puis à la fusion de la gauche communiste et du bloc ouvrier et paysan, qui étaient deux groupuscules révolutionnaires, il va gagner progressivement en importance. Il comptait ainsi 6 000 adhérents au début de l'année 1936. Ses effectifs vont bondir à 30 000 en juillet de la même année. Et cette organisation était particulièrement forte en Catalogne. Il avait comme dirigeant originel Joaquim Morín, mais celui-ci va être fait prisonnier au début de la guerre civile. Et c'est donc André Hounin, qui était un autre des responsables du mouvement, qui va le remplacer à la tête du PUM, mais sans jamais réussir à avoir son prestige. Celui-ci était un ancien secrétaire de Léon Trotsky. C'est ça qui va aussi servir à pouvoir accuser le PUM d'être un mouvement trotskiste. Mais s'il avait été en effet proche de Trotsky à une époque, il avait rompu avec celui-ci, notamment sur la question des relations avec les anarchistes. Le PUM vont se rapprocher des anarchistes là où Trotsky s'était illustré par son anti-anarchisme. Et globalement, ce qui avait provoqué la rupture surtout, c'était le refus de pratiquer l'entrisme au sein de la Seconde Internationale social-démocrate, ce que les trotskistes et ce que Trotsky prônaient. Suite au coup d'État nationaliste du coup de juillet 1936, le PUM va mettre en place des milices qui vont combattre les nationalistes. Et parmi du coup les combattants de ces milices, il va y avoir des combattants étrangers, dont notamment George Orwell, qui va en faire partie. Le PUM était une des organisations les plus radicales du camp républicain, refusant de renoncer à la révolution pour gagner la guerre. Et vont être alors aussi une des cibles privilégiées des partisans de l'URSS, déjà parce qu'ils étaient considérés comme trotskistes, donc éliminés dans une période de purge stalinienne. Eux-mêmes étant anti-staliniens, ils apparaissaient qu'en plus comme des renégats, donc ça c'était mal vu. Et leur connaissance de l'URSS, que plusieurs cadres du PUM étaient passés par l'URSS, en faisait des dangers et des concurrents à éliminer. Et étant de plus moins forts que la CNT, anarchistes, ils constituaient une cible plus facile à éliminer. Et donc, ils vont être accusés, notamment du coup après les journées de mai à Barcelone, dont je parlerai dans une autre vidéo, mais globalement, c'est un moment où il y aura une insurrection d'une partie des anarchistes et du PUM suite à la tentative du gouvernement de reprendre le contrôle du central téléphonique. Ben, ils vont être vus comme des agitateurs et les soviétiques vont les accuser d'être des agents fascistes infiltrés et vont produire des faux documents dans ce but. Pour montrer des liens entre le PUM et les franquistes. Donc ça va justifier de nombreuses arrestations, exécutions, dont celle du leader du PUM, André Hounin, mais également des campagnes de presse en Espagne et dans le monde qui vont être lancées pour accréditer cette thèse, qui était totalement fausse. Et donc en juin 1937, le siège du PUM est occupé, des centaines de militants sont arrêtés à l'initiative d'agents du NKVD, qui agissent sans même en informer le gouvernement espagnol. Hounin est incarcéré, torturé pour lui arracher des aveux, mais ils échouent. Et donc, ils vont le faire disparaître et l'assassiner, même si on ne sait pas exactement où et quand ça s'est passé. Et officiellement, l'URSS et ses agents vont prétendre qu'il a été exfiltré par des agents nazis. En réalité, c'était des agents de l'URSS d'origine allemande qui vont mener une fausse opération et laisser des papiers allemands pour pouvoir, comme preuve de leur action, et prétendre du coup voilà, que c'était des agents de l'Allemagne nazie. Cette affaire va susciter une certaine indignation dans le pays et au niveau international, puisque Nîmes disposait d'une certaine renommée. Et le gouvernement espagnol, de son côté, n'appréciait pas trop de voir les agences soviétiques agir dans son dos. Et en plus, cette affaire nuisait à son image sur le plan international. Il n'était cependant pas en mesure d'entrer en conflit ouvert avec l'URSS, puisqu'il était absolument dépendant de son aide matérielle, les démocraties l'ayant donc laissé tomber. Negrín, qui dirige le gouvernement espagnol, va donc faire mine de croire la version soviétique. Les militants qui ont été arrêtés en juin 1937 seront jugés, mais qu'en octobre 1938. Le temps à la fois de construire des éléments de preuve, mais également passer outre des points juridiques, puisqu'une partie des délits imputés aux militants du PUM n'étaient pas des délits au moment où ils les ont commis. Il va y avoir également du coup, les dissolutions des milices du PUM qui vont être intégrées à l'armée officielle. Et globalement, personne ne va défendre le PUM, donc le PCE forcément,
Mais les socialistes et les républicains modérés voient dans le PUM une organisation bien trop radicale et ne sont pas mécontents de la voir être éliminée, ou en tout cas mise de côté. Et seule la CNT va afficher son opposition à ces mesures et déclarer que les accusations contre le PUM sont totalement fausses. Suite au procès, le PUM va quand même être exonéré de toutes les accusations de lien avec les fascistes, mais va être condamné pour ses actions révolutionnaires et pour ses actes de violence. Et donc c'est un peu une condamnation qui ménage le chèvre et le chou. On obtient une condamnation, comme le demandaient le PCE et l'URSS. Par contre, on ne retient pas ses chefs d'accusation, ce qui va déranger un peu une partie de l'URSS. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à l'aimer et à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur la guerre d'Espagne. Au revoir tout le monde!